Le Grammy Museum à Los Angeles présente l'exposition California Dreamin' The Sounds of Laurel Canyon. L'occasion de revenir sur le parcours de ces musiciens qui vivaient dans ce quartier de Los Angeles à la fin des années 60 et au début des années 70. Pour le directeur de l'exposition, Laurel Canyon était avant tout un état d'esprit et une véritable scène pour les artistes. Des artistes qui ont collaboré, dit-il, et c'est ce qui rend cette expo intéressante, puisque beaucoup de ces artistes habitent encore dans la région de Los Angeles. Vous pouvez voir les guitares de Frank Zappa, la chaise berçante de Mama Cass Elliot, vous pouvez découvrir les textes de Jim Morrison, l'harpe de John Sebastian. Donc beaucoup d'objets et de pièces multimédia. Nous avons des photos incroyables d'Henry Diltz, l'un des meilleurs photographes de Los Angeles. Les clichés d'Henry Diltz, qui fut aussi l'un des photographes officiels du festival de Woodstock, livrent un aperçu du Los Angeles des années 60 et de la scène musicale des années 70. Henry Diltz a photographié près d'une centaine de disques et pochettes d'albums et figé les images de musiciens et groupes célèbres tels que Crosby, Stills & Nash et Joni Mitchell. À l'époque, les rues pavées du quartier de Laurel Canyon contrastaient avec le Sunset Strip Boulevard d'Hollywood. Pourtant, les compositeurs, groupes, artistes y vivaient nombreux. Des artistes dont le nom est désormais gravé dans l'histoire du rock. Petit retour en arrière avec le journaliste Harvey Kubernick, auteur de Canyon de rêve, la magie et la musique de Laurel Canyon. C'était une existence rurale, mais dans un contexte quand même urbain. C'est ce qui a conduit à la créativité et à la liberté. À l'époque, il y avait de l'espace, on trouvait encore des places de stationnement. Cela a conduit à un système organique dans lequel les musiciens ont trouvé beaucoup de liberté pour créer, vivre et se renouveler. L'exposition California Dreamin' c'est jusqu'au 30 novembre au Grammy Museum à Los Angeles.